Selby, je te propose un défi. Tu vas devoir tailler une clairière dans une forêt et poser toutes les bûches et les brûler sans enflammer la forêt. Bonjour les gamers, ici CLB105 pour un nouveau défi Minecraft. Comme vous l'avez vu, l'intitulé est complexe et c'est moi qui m'ai trouvé ce défi. Tout d'abord, je vais devoir vous signaler deux petits trucs. Déjà, pour commencer, je m'excuse du fait qu'il n'y ait pas eu de défi depuis 2 semaines déjà. Vous m'en avez pas vraiment proposé, mais bon là, et puis j'avais pas vraiment d'idée non plus. Comme je vous l'avais dit sur une petite annonce sur la chaîne, un petit message écrit, je ne fais désormais les défis que si on me donne une idée, ou bien alors que moi-même j'ai une idée que j'estime intéressante. Je ne me force pas à faire les défis, toutefois ça restera le samedi et pas un autre jour. Et sinon, comme vous le remarquez, le contraire serait inquiétant, j'ai un shader et ça va être le cas normalement sur Minecraft vous êtes offert saison 3 aussi. Donc comme vous voyez, les performances sont pas incroyables, mais bon, j'ai réussi en combinant avec Optifine à faire quelque chose de regardable. Vous me dites si ça vous plaît dans les commentaires. Moi, je trouve ça quand même censure de classe. Donc, mon défi, mon intro s'éternise, mais bon, il y avait des choses à dire et j'ai été plutôt concis, je suis content. Donc, je disais, mon défi, ça va être de me retrouver sur une forêt de Minecraft, une forêt générée dans Minecraft, et de couper du bois avec une hache et couper suffisamment d'arbres pour faire une clairière et empiler toutes les bûches les unes sur les autres et les enflammer. Il faut pas que ça mette le feu à la forêt. Si la forêt prend feu, c'est que j'ai pas coupé assez d'arbres sur une grande distance et le défi sera perdu. Mais bon, en même temps, si je coupe trop d'arbres, ça va faire une pile énorme. Il faut que je juge aussi parce que je n'aurai qu'un quart d'heure pour le faire. Donc voilà, j'ai tout dit, pas à peine de s'éterniser plus longtemps. Qu'est-ce que c'est classe, quoi. Qu'est-ce que c'est classe. Donc sur ce, que le défi commence. C'est donc parti, j'ai un efficiency 3 sur ma hache. Est-ce que j'ai cassé toutes les bûches? Non, il m'en manque une, c'est bien ce que je pensais. Donc comme je vous ai dit, j'ai un quart d'heure pour faire tomber suffisamment d'arbres et faire une clairière. Cependant, je vais devoir empiler en pyramide toutes mes bûches et les faire flamber sans mettre le feu au reste de la forêt. Sinon, c'est un magnifique défi perdu. C'est pas un défi passé. Pour la petite anecdote, c'est un défi que je me suis donné la nuit. J'ai eu une pseudo-illumination. En gros, je me suis dit, mince, c'est vrai, j'ai pas fait de défi depuis longtemps. Il faudrait que j'en trouve un moi-même. Et je me suis dit, j'exploite pas assez les gameplays si variés de Minecraft. Donc j'ai réfléchi à tout ce qu'on pouvait faire par Minecraft. Oui, mourir par les flammes. Hein. MC4X. Et puis je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on fait en premier dans Minecraft? On coupe du bois. Et donc nous sommes les joyeux bûcherons sur cet épisode. J'espère que ça va vous plaire. Alors, je verrai peut-être que... 15 minutes, c'est un peu exagéré, ça va peut-être être plus rapide que ça. Voire même beaucoup plus rapide que ça, en fait. Ouais, je me suis peut-être imposé une limite pas assez... Ah ouais, sauf que là, j'ai quand même un sac de bûches, attends. Je vais toutes les poser, ça va être assez drôle. Et on verra qu'en fait... Non, c'est ça. Je lag un petit peu quand même, malgré tout. Toi, tu t'en vas, merci. Le shader gêne un petit peu, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même de plutôt bonnes performances, n'est-ce pas? Mon PC n'est absolument pas prédestiné au shader, hein. C'est pas un gros PC bien gamer. Je suis pas obligé de faire quelque chose de beau avec mes bûches, hein. Je peux très bien faire ça, par exemple. Hop, youp là, et normalement ça devrait pas avoir un volume plus gros que ça, donc là on va un petit peu déblayer. Je suis obligé de poser toutes mes bûches, sinon ça compte pas, le défi est perdu. Bon,
L'efficiency 3 sur la hache en diams aide un peu quand même. Et si je mets le feu à la forêt par erreur, c'est je perds le défi, mais c'est très stupide. Faut bien que je pense à pas faire de clic droit avec mon briquet. Je casse toutes les feuilles avec un briquet vu que ça touche pas la durabilité de la hache, mais bon. Un peu un réflexe moisi, c'est une hache en diams avec un breaking 3. C'est un petit peu de la paranoïa que de casser les feuilles avec ça. Bon. Alors sinon quoi de neuf? Moi je continue toujours mes projets personnels sur ma chaîne. Le travail me prend beaucoup de temps mais en même temps j'ai un petit peu du mal à faire beaucoup de choses. Hein. Les vacances sont bientôt finies. Que je suis méchant. Enfin ça. Pour être honnête avec vous, j'en ai presque fait des cauchemars de la rentrée scolaire. Me dire que je pourrais plus bosser à plein temps sur mes vidéos. J'étais un petit. Bon, je bosse pas à plein temps sur mes vidéos, mais bon, j'y passe quand même beaucoup de temps. Et puis tiens, parlons-en, tiens, du programme scolaire en France. Je suis encore au collège dans des classes pas forcément très intéressantes, mais j'en apprends plus avec les points culture de Wings the Sun qu'avec un programme entier sur une année au collège, personnellement. Je sais pas si vous avez eu cette sensation-là, vous aussi. Bien alors, vous en battez. Moi, j'écoute en cours, je fais toujours bien gaffe, plutôt une bonne moyenne d'ailleurs. Mais je trouve que ce que j'apprends, déjà, c'est pas grand-chose. Pas grand chose d'utile en tout cas j'entends parce que je n'ai pas beaucoup la science infuse, faut pas me prendre pour un dieu. Allez, là ça devrait être assez bon niveau au niveau de la clairière. Qu'il est beau ce soleil, sérieusement. Je suis tombé complètement amoureux des shaders et je trouve ça vraiment dommage que ça lague un petit peu. Déjà là je fais en trafiquant avec Optifine, j'ai réussi à gruger 5 FPS et ça devient relativement jouable. Si c'était complètement injouable, évidemment, je n'aurais pas tourné le défi dans ces conditions. Coucou. Yo. Hop, je fais une grande bûche. Et là, je vais finir de clearer un petit peu tout ça. Je pense que ça va aller. Faut bien que j'enlève un petit peu les petites herbes hautes là, je crois que c'est inflammable. Par contre les fleurs, je suis à peu près sûr que non. Vous allez me dire que c'est une logique vraiment étrange, mais bon. C'est cela, Minecraft. Non, elle claque pas du tout cette réplique. Bon, ben, nous sommes des Minecraftiens. Non, laisse tomber. Hein. Oh, et puis merde. This is Minecraft! Allusion au plectroscope, si vous ne l'aviez pas compris. Série sur la chaîne de Links the Sun mettant en scène le plectre cynique qu'on peut voir dans les points de culture de Links the Sun. Plectrum. Ou plectroscope. Qui fait des reviews de films en quelques minutes sur le ton de l'humour. En très peu de temps. Il résume l'histoire de film en 2 minutes et puis la voix est aiguë parce que c'est Plectrum, c'est un médiator donc il a une voix à la con. Et voilà, donc là c'était la review de 300. Enfin la review, on peut pas vraiment appeler ça une review. Allez, cette fois-ci je crois que c'est bon. Ou presque. Toi tu jartes. Voilà, j'ai fait une grosse clairière. Bim! Comme vous voyez, je n'ai plus de bûches dans mon inventaire. J'avais oublié les birch! Mince! Et hop là. C'est bon, je les ai tous posés. Oula, ça flambe pas beaucoup. Par contre, ne prends pas tout ton temps, s'il te plaît, j'ai un défi sur le feu, moi. C'est le cas de le dire. Je vais bien te faire foutre, CLB35. Bon, je vais aider un petit peu. Aïe. Là aussi, comme dans tous les défis, si je meurs, c'est le mal. Et je suis complètement con, je me suis enflammé. Faut pas que je meure. Non. Non, surtout que je meurs pas pour ça. Ah. Ouf, j'ai un peu eu de la chance, mais bon, je suis quand même heureux de ne pas être mort. Et je sais même pas si j'aurais comptabilisé ça si j'étais vraiment mort, ça aurait été rageant, quoi. Après avoir bien géré dans un défi de mourir à faire connerie. Faut dire que le shader aide pas tellement.
Quoi? Oh, comment ça j'aide pas tellement? Je suis désolé, tu me fais laguer. Et voilà, un brasier du four, comme dirait là dans le jeu Shrek, que je vais bientôt essayer sur ma chaîne perso. Bon, du coup, visiblement, ça ne veut pas flamber. On va l'aider un peu. Ah, quoique non, ça va. Ça a l'air d'aller. Ça va bientôt se finir. J'ai chaud. Comme vous voyez, les flammes ondulent aussi un petit peu. C'est classe. Quoi? Ah! Vilain! Beuh! Bon, si ces blocs-là ne veulent pas flamber alors qu'ils le devraient, on va dire que ça, ça a flambé. Voilà. Et donc, voilà! C'est donc un défi, on va dire, réussi. C'est un défi réussi! Donc je vous remercie d'avoir regardé ce défi Minecraft. Donc comme vous le voyez, j'ai eu un petit bug, ce qui fait que toutes mes têtes sont mortes. Et mes panneaux aussi, accessoirement, je réglerai ça hors caméra. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce défi Minecraft. Je vous donne rendez-vous pour le prochain samedi. N'hésitez pas à me proposer des idées de défis, c'est ça l'idée de base. Donc sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB.